Bonjour, alors aujourd'hui on va faire des meringues. Donc, moi j'ai essayé, enfin j'en ai fait. Donc pour vous montrer, voilà. Elles sont super bonnes en plus. Croustillantes, enfin on dirait des vraies meringues de gruyère. Donc, il vous faudra 4 œufs que j'ai déjà mis dans le robot. 4 blancs d'œufs. Ouais, 4 blancs d'œufs. Et 250 grammes de sucre. Donc, on va commencer par faire les blancs en neige et on vous retrouve dès que ce sera prêt. Donc, il vous faudra aussi, désolé, hein, j'ai pas dit, une poche à douille avec le petit embout là au bout pour pouvoir faire la forme et du colorant alimentaire. Donc, moi je vais en utiliser deux. Donc, je vais prendre deux bols. Par exemple, si vous prenez trois colorants, je sais pas, avec du bleu par exemple, bah vous prendrez trois bols. C'est logique. Donc là, j'ai fait les blancs en neige, là. Donc ils sont très bien. Je vais prendre ma Maryse. Donc voilà. Donc, j'ai aussi... Ceci est une Maryse. Donc c'est une spatule. Et je vais déjà enlever tout ce qu'il y a dessus. Puis je vais séparer des bords. Donc ils sont très très beaux. Hein. Voilà. Donc je remets le truc. Et puis donc je vais laisser pendant que ça tourne. Je vais utiliser un... Comment ça s'appelle? Un entonnoir parce que je suis très mal. Pour mettre les blancs dans le sucre. Non, les sucres dans le blanc. Enfin, vous avez compris. Donc voilà, un entonnoir, hein, tout basique. Donc je vais le mettre là-dessus. Et pendant que ça tourne, je vais mettre le sucre. Donc les 250 grammes de sucre. Je laisse juste commencer. Donc comme ça. Donc maintenant, on va préchauffer le four à 130 degrés. C'est parti. Donc, je vais ouvrir le robot. Puis, je vais séparer ma préparation dans les deux bols que j'ai préparés. Là. Donc, un part égal dans chaque bol. Hein. Donc, maintenant, j'ai mis à part égal dans les bols. Et je vais utiliser mes deux colorants. Donc le vert et le rouge. Je vais mettre quelques gouttes de vert dans un. J'ai à peu près quelle quantité. Donc je vais mélanger jusqu'à ce que ça soit tout vert. Donc, maintenant je vais faire ma poche à douille. Donc je vais l'appuyer sur les côtés. Ce sera plus... Vous aurez moins les mains qui collent. Donc là, j'ai mis le vert et le rouge. Donc je vais mettre tout mon rose dans ma poche à douille. Donc quand elle est à ras-bord, la plie dépliée de 1. Voilà. Donc vous allez fermer et tourner. Voilà. Et on va faire des petites meringues. Donc pour vous montrer comment faire toute la plaque, on va vous mettre cette petite partie en accéléré. Donc c'est parti.
maintenant, on va... Donc là, j'ai fait une plaque. Il me reste encore beaucoup, donc je pense que je vais faire... Moi, c'est 4 plaques. Au moins, non, 2 plaques. J'attends que le four y préchauffe et qu'il soit bien préchauffé. Enfin, qu'il soit préchauffé. Et dès que c'est prêt, on va vous mettre dans... Bah, on vous retrouve juste après. Ouais. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait les meringues, donc là, les 2 plaques. Et je vais les mettre au four. Donc, 30 minutes. Chaque plaque, 30 minutes. Quelle position dans le four? Je sais pas trop comment expliquer. Bah, vous voyez, il y a à peu près en haut, au milieu, en haut, quoi. C'est parti. À tout à l'heure. Donc voilà, elles sont cuites. Donc je vais vous montrer la consistance. Elles sont vraiment très craquantes et très très bonnes. Comme celle que vous a montré au départ. Donc merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.